Livre de la Genèse, chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laides à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit bien dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. » Et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis, je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont également 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs,
Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Pénéac, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et voici les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays.